tarde, car les principaux appuis se trouvaient chez les frileux et les craintifs. Ces gens-là qui ont peur des foulards et des kippas, et bien souvent ils ont peur de tout et de l'abondage aussi. Alors, quand est arrivé M. Pelado qui a levé son poing en l'air, et puis quand on a parlé du mot référendum, ces appuis-là se sont évanouis tout à coup. Faire du Québec un pays!